Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour d'un jeu et qui est aussi le premier épisode d'une nouvelle série Une soirée avec Vanguard. Ne vous inquiétez pas, la série sur Thème Hospital se poursuit mais je vais aussi alterner un petit peu avec un peu de Dig and Rig. Et donc je vous propose qu'on clique immédiatement pour commencer et qu'on crée un nouvel slot. Donc on va passer tout de suite comment apprendre à jouer parce que je sais déjà comment on joue et je vais vous expliquer ça un petit peu. Alors, nous sommes le petit robot ici, là, qui est en train de bouger et qui peut sauter un petit peu. Bouink, bouink, bouink. Et on a le docteur Digbert qui me dit que ma mission, c'est de percer jusqu'au cœur de la Terre. Et il va me donner de temps en temps quelques petits conseils, mais je pense qu'on va lamentablement l'ignorer la plupart du temps. Et donc, bah, qu'est-ce que c'est quoi donc le but de ce jeu-là? Bah, en fait, c'est vachement facile. Alors, vous voyez que j'ai là mes petits outils de robot change. Et j'ai quelques petits outils pour percer un petit peu autour. Et vous voyez que là, j'ai trouvé des éléments et qui vont être très utiles pour un petit peu plus tard. Donc on va en percer quelques-uns. Là, vous voyez, j'ai les métalloïdes et les allumons. Aluman, je pense, parce que c'est un jeu qui est plutôt en anglais. Donc si vous voulez y jouer aussi, c'est un jeu qui est totalement gratuit. Hein. Je vous mettrai le lien pour où le télécharger, mais c'est une université en fait qui fait des concepts de jeux et donc du coup je l'ai téléchargé, j'ai trouvé vraiment sympathique, enfin ça fait déjà très longtemps que je l'ai et que je devais faire une série dessus mais je ne l'ai lancé que très dernièrement et donc là c'est parti pour la série. Donc là vous voyez je découvre plein de nouveaux éléments mais vous voyez aussi que ça monte de temps en temps et que là tous ceux que je suis en train de percer ça fait quand même pas grand chose. Hein. Et tout ça, c'est parce que le deuxième twist de ce jeu-là, c'est que là, vous voyez, il y a comme un petit convoyeur qui monte. Et bien là, je suis en train de me faire un peu de place ici, histoire que ça soit plus facile à vous montrer juste derrière. Voilà, donc là, je vais réussir à vous montrer. Hop, et là, il me dit qu'il y a une update que je peux avoir dans le laboratoire. Mais d'abord, on va faire ça, conveyor belt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite conveyor belt ici. Donc vous allez voir qu'elle est dans le bon sens, elle est dans le mauvais sens. C'était pas du tout ça qu'il fallait que je fasse dessus. Il faut que je clique dessus et hop, tous mes minéraux partent et remontent et arrivent au laboratoire et ça monte. Et donc voilà, mon but est de percer plein de minéraux ici. Donc je ne sais pas en plus si j'ai forcément... Non, c'est pas ce drill là. Non, donc j'avais le bon drill dès le début en fait. Parce que j'ai trois systèmes qui me permettent de percer en fait et qui me permettent de percer de manière un petit peu différente suivant le matériau. Là c'est un matériau différent d'ici et d'ici. Donc là vous voyez quand même c'est pas trop problématique mais quand je vais arriver là, enfin on va plutôt aller sur le côté ici et là ça galère quand même vachement. Et si je prends ça, ça galère toujours et si je prends ça, ça galère encore plus. Donc c'est celui-là qui galère un peu moins. Mais bon, c'est vraiment pourri, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le laboratoire. Laboratoire. Dig tools. Donc je peux augmenter mes trucs. Donc le rock drill ou stone grinder à travers le sable, ça on s'en fout. On va acheter ça. Ah bah en fait, je peux pas me l'acheter parce que je n'ai pas assez d'éléments. Donc on va percer un petit peu par ici. On va prendre celui-là qui perce vite ici. Et je pense que vous allez voir, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, très simple, on va mettre un petit convoyeur. Ah oui, donc il faut que je fasse ça pour percer ça, voilà, je fais ça pour percer ça, et je fais ça pour percer ça. Voilà, et donc ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va être logique. On va mettre un conveyor belt tout en dessous ici. Si j'arrive à percer ce petit truc, voilà. Et donc là, on va prendre celui-ci pour percer... Ah. Ici, voilà, donc on va percer ça, allez, perce plus vite, parfait, et là après on peut utiliser le scoopers pour remonter tout ça ici, hop, donc ça va remonter tous mes minéraux, comme ça, ça va les jeter n'importe où, parce que je vais prendre le conveyor belt et je vais agrandir cette conveyor belt, et bien comme ceci, et comme si j'arrive à la placer, et j'en ai plus, il va falloir que j'aille au laboratoire en racheter un petit peu, parce que quand j'en ai plus, forcément on en rachète.
Donc, conveyor belt, on va en racheter une petite centaine, je pense. À quoi il faut que je clique comme une brute? Je peux pas rester juste cliquer. Ah là là là. Bon, on va mettre 20 et on va cliquer plusieurs fois sur acheter, hein, parce que... Voilà. Et donc là, on va faire une petite conveyor belt. Ici, on va changer le sens de celle-là. Non, le sens était bien comme ça, et on change le sens de celle-ci, donc celui-là doit aller dans ce sens-là aussi. Et donc voilà. Donc du coup, tous ces minéraux-ci... Zut. Je voulais changer le sens du conveyor belt. Enfin, j'ai bougé mon petit robot parce que je ne vois pas du tout où je suis et ce que je fais. Donc, on va rajouter un petit bout de conveyor belt ici. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Non. Donc voilà, on l'a mis dans le bon sens ici. Donc ici, ce que je peux faire, c'est retirer ce bout-là qui ne sert plus à rien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va remonter. Donc on va remonter, on va se simplifier la vie. On va mettre... Et il va pas là-dessus, parce que ça, c'est complètement idiot. Ah, si je peux mettre l'échelle dessus, il me semblait pas. Hop, je vais remonter. Et ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va percer. Là. Bon, percer, c'est bien, au bout d'un moment... C'est un peu énervant, donc on va regarder, est-ce que j'ai des choses intéressantes. La dynamite, ça a l'air intéressant la dynamite, on va en acheter un petit peu. Item, dynamite. Hop. Et moi je pars pour ne pas me faire exploser la tête. Boum. Et voilà, plein de petits minéraux pour moi et mon robot. Et on va pouvoir faire plein de trucs avec tout ça. Donc là, eh bien, on va continuer le niveau pendant que Digbert est en train de nous dire que c'est super bien ce qu'on fait et que c'est trop génial et qu'on va atteindre le centre de la Terre en rien de temps. Bon, hein, en même temps, il faut pas trop le croire parce que bon, c'est quand même le professeur Digbert. Donc on sait pas trop ce qu'il nous réserve comme surprise pour plus tard et tout ça, mais pour le moment... Plus on a de minéraux, bah plus on est content. Hein. C'est un peu ça pour le moment. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir ce que je vais appeler le premier niveau ensemble. Donc déjà, hop, là il y a plein de cailloux. C'est galère à casser le caillou. Donc on va aller acheter une méga bombe. Méga bombe. Méga bombe. On va se cacher par ici. Et donc ça, ça va faire un méga boom, méga boom, méga boom, méga boom. Hop. Et voilà. Et donc on va descendre ici. Bon, on va mettre une autre méga bombe ici. Donc on va racheter une méga bombe. Alors lui, il me dit toujours de continuer mon bon travail. Ah, je ne peux pas acheter de méga bombe. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque des petits éclairs jaunes. Mais là, il y en a plein ici. On va mettre un scooper qui va aller chercher tout ça ici. Hop, ça on va le revendre parce que je ne m'en sers pas. Ça aussi on va le revendre. Et donc on va regarder ça se faire remonter et mon énergite monter. Pendant ce temps-là, nous on va continuer à percer ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter nos utilitaires de percing. Voilà. Donc là déjà normalement si je passe ça, voilà, vous voyez ça va déjà terriblement plus vite. Et là, il y a un problème, c'est dommage. Mais ça c'est parce que ma connexion Wi-Fi avec le laboratoire, elle est toute pourrie et donc du coup je peux pas voir ce qui se passe ici. Et donc c'est là ce que je vais appeler la fin de notre premier niveau. Là je mets une plateforme au cas où je fasse exploser ça, que ça reste bien. C'est là où on va finir notre premier épisode, ou que je vais considérer comme étant la fin du premier épisode. L'endroit où on n'a plus réellement de Wi-Fi. Et là, c'est mon énergie. Vous voyez qu'en restant à côté du Wi-Fi, il me semble, j'en ai perdu un petit peu. Ou alors, c'est juste que je me suis complètement raté avec ma dernière méga bombe et qu'elle m'a méga bombé. Enfin, méga pété à la figure, plutôt. Hop, on met une petite échelle ici. Je ne peux pas mettre d'échelle ici. Ah, si, quand même. Hop, monte sur l'échelle. Voilà.
Donc on va péter un petit peu ça ici. On va mettre... Je pense que j'ai un scooper qui remonte jusqu'ici. Et je n'en ai plus, donc on va en acheter. Non, c'est dans... Rig Tool. C'est le jeu Dig and Rig, porte très bien son nom. Percer et fabriquer des trucs qui remontent les machins qu'on a percés. Donc voilà. Là, normalement, je dois avoir mon scooper qui monte assez haut. Et voilà. Whoop ! Tout est en train de très gentiment remonter vers le haut. Donc on va mettre une petite échelle ici. Hop. Et forcément, j'ai mal calculé mon coût. Et du coup, mon échelle a cassé mon conveyor belt. Et mon scooper. Il faut que je remonte. Bon, ça, c'est pas super au bon endroit. On va supprimer ce petit bout. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, avec tout ce qu'on a, on va pouvoir s'acheter plein de méga bombes. Zut! Lava and Water Resistance. Je me suis planté. C'est pas ça que je voulais acheter. C'est pas grave, on va acheter plein de mégabombes. Et je ne peux pas les acheter puisqu'il me manque que de l'explodium. Effectivement, j'ai l'air de ne pas avoir tant que ça d'explodium dans mes trucs. Et bah, qu'à cela ne tienne. Faisons un petit piercing ici. Et je vais arrêter de sauter parce que ce sera vachement plus facile pour faire un piercing. Et on va poser une mégabombe là. On va méga s'éloigner. Elle va faire méga boom. Méga boom, méga boom, méga boom, méga boom. Donc avec un peu de chance, là, tout cet entonnoir-là va descendre et va remonter ici. Voilà, il est en train de remonter. Et j'espère qu'il va m'amener... Ah bah j'ai largement assez d'explodium pour m'en racheter quelques autres. Enfin, quelques autres étant une. Et donc je vais faire méga boom par ici. Hop. Et le but est de s'éloigner déjà et de plus ou moins faire un entonnoir. Comme ça, ça va avoir tendance à un peu guider les minéraux plus ou moins vers le bon endroit pour qu'ils se fassent tous remonter. Voilà, donc là normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour tout remonter tout ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui sur cette... sur ce niveau 1, même si on n'a pas complètement détruit tout ce qui était possible à détruire. Mais on a fait plutôt un bon travail. Et on est prêt à partir, eh bien, pour un prochain épisode un peu plus bas. Donc bah, je vais vous dire une bonne soirée, une bonne journée, une bonne, bien, quand ça change. Ah, le Mineral Scanner est maintenant disponible. Et keep up the good work. On va continuer à bien tout percer et à bien détruire la terre de tous ces minéraux. Et donc, bien, comme je vous disais, à très bientôt pour un nouvel épisode de Dig and Rig. Allez, au revoir.